Le ministre de la Sécurité publique Rodelis Randrianarison a tenu une conférence de presse jeudi concernant le projet d'assassinat déjoué du président malgache Andry Rajoelina. Les policiers malgaches ont procédé à des arrestations simultanées et des saisies d'argent et d'armes. Ils auraient en leur possession des documents officiels prouvant l'implication de chacune des personnes arrêtées. Selon toutes les enquêtes que nous avons menées, les personnes arrêtées sont impliquées dans la tentative d'assassinat du chef de l'État malgache. Les arrestations ont été réalisées dans le respect des procédures. Celles-ci n'ont pas été effectuées par des mercenaires, mais par la police. Six personnes ont été arrêtées, parmi elles deux malgaches binationaux. Il y a également un étranger. Les autres sont des citoyens malgaches. Apparu en politique en 2007 en devenant maire de la capitale, Andry Rajoelina s'est rapidement imposé en politique. Deux ans plus tard, il fait modifier l'âge minimum requis pour la présidence en étant à la tête d'une autorité de transition, lui permettant d'accéder au poste suprême.